C'est une très bonne question. Je serais morte. Je pense que je vais faire un montage de toutes les fois où juste tu vas dans des trucs horribles pour ponctuer les phrases. Mais je trouve que c'est une histoire d'amour qui termine bien. Même si, oui, ok, il meurt et c'est triste. Moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi de se lever à 4h tous les matins pour aller faire le ménage dans un Sofitel et de se faire violer par DSK. Il fallait une chute à base de viol. Plein de fois, je me dis, mais en fait, je dois faire des provisions, construire un bunker dans mon jardin, protéger mes enfants. Et évidemment, ça allait virer au cauchemar. Évidemment, même si elle a une nouvelle tragique à lui annoncer. Non stress. T'inquiète. Il est mort. T'inquiète, il est mort. Parce que dans cette histoire-là, il y avait un cheval qui brûlait à un moment. Enfin, j'avais... Parce que je crois profondément que le monde va s'effondrer. Et il trouve un corps dans le lac. Il trouve un cadavre. Et pas comme un décor dans lequel l'homme évolue avec sa sagaie ou avec son rayon de gun. T'as vraiment cité des armes pointues. Oui. Et là, je souris, mais j'ai eu peur. Je t'ai pas encore montré ma cave. Ce sera mon premier fait divers. Ouais. Comment j'ai tué Adeline Dieudonné.